La story de votre journée 8 de Top 14, le Stade Toulousain reçoit à Ernest Vallon le Castres Olympique. Il est écrit qu'il ne faut pas louper les coups d'envoi et les Castrés vont le payer cher face aux champions dans le sillage d'un Antoine Dupont intenable avec Romain Tamac qui va délivrer une passe extraordinaire à la deuxième minute de jeu, une passe au pied pour Maxime Médard, le premier essai déjà pour le Stade Toulousain. Charlie Faumina est déchaîné, les Toulousains font le travail dans ce début de rencontre. Avantage en cours signalé par Mathieu Reynal. Antoine Dupont est remplacé par Maxime Médard pour éjecter ce ballon. Ça va partir de main en main sur l'extérieur. Déjà deux essais au bout de 9 minutes de jeu. Cet essai signé Thomas Ramos. On se dit que les Castrés vont réagir après la première mi-temps. Il n'en sera rien puisqu'Antoine Dupont va faire son festival dans ce match et servir son compère Romain Tamac. Les deux sont en forme internationale. 27-0 pour le Stade Toulousain. Et là, encore un chef-d'œuvre d'Antoine Dupont. La passe magistrale pour son ailier Malia, auteur d'un doublé. On va le retrouver avec cette passe à l'intérieur de Flamand pour libérer son joueur qui vient de rentrer. Malia, auteur d'un doublé. Victoire sans contestation du Stade Toulousain face à Castres qui n'a jamais rivalisé. 41-0. L'Union Bordeaux-Bègles un peu plus à côté sur les bords de la Garonne, on remonte face à Perpignan. Perpignan qui vient chercher de la confiance, peut-être un résultat, mais les Bordeaux-Bègles font les choses dans l'ordre en ce début de match avec cette percée faramineuse formidable de Mathieu Jalibert. Le collectif bordelais va se mettre en place avec enthousiasme et surtout justesse derrière Lesgourg. Regardez, Jalibert s'est replacé. On va servir maintenant les avants. Des passes après contact au contact pour Cazot. Cazot qui va reprendre l'intérieur, affûter tout le monde et déchirer le rideau défensif. Un des essais de cette saison collectif. Magnifique essai des Bordeaux-Bègles. Mais il faut continuer. Bordeaux maîtrise tous les secteurs de jeu dans cette rencontre. On va essayer de chercher un nouvel essai qui va être trouvé rapidement après un bon point de fixation des avants avec cette passe sautée allongée sur les extérieurs pour Hulleux derrière la terre promise. C'est le festival Lesgourg qui va se mettre en place. L'USAP n'y arrive pas, l'USAP subit beaucoup de puissance, beaucoup de justesse, je disais. Lesgourg qui prend l'intervalle, le travail, je sors extérieur à gauche, non, feinte de passe. Un essai incroyable, oui, on aurait pu lui dire de donner sur sa gauche, mais il a pris sa décision. Et il marque un essai extraordinaire, le demi de mêlée, que l'on va retrouver, Lesgourg, sur cette mêlée. Tous les compartiments de jeu sont dominés par les joueurs de Bordeaux. Il faudra se remettre les idées en place pour les Catalans. En tout cas, un qui a fait tourner la tête dans cet après-midi de Top 14, c'est Lesgourg, pour son doublé dans cette rencontre. La belle réaction des Catalans, mais elle n'est que tardive dans ce match. Victoire bonifiée de l'Union Bordeaux-Bègles face à l'USAP qui ferme la marche de ce championnat. Stade français, Loup Rugby, on attendait beaucoup les Parisiens, peut-être pour une troisième victoire consécutive, on va voir. En tout cas, ce sont les Lyonnais qui, au bout de 30 minutes de jeu, ont la maîtrise de ce match. Les Lyonnais, auteur d'une grosse performance en faisant chuter le champion la semaine précédente. Mais les Parisiens vont faire du bon boulot. Surtout sur cette action, Coville qui va alerter. Regardez là, toute la différence qui se fait dans l'intervalle avec Liam Hamdaoui qui vient se proposer. La passe qui est magistrale dans l'intervalle pour libérer les choses. Et surtout, faire prendre les devants aux Parisiens qui vont prendre justement de la confiance suite à cet essai. La passe allongée sur les extérieurs. Et le facteur X qui va sortir. Makalou, regardez-le sur la vitesse. Le raffut impressionnant de Makalou. Qui va marquer cet essai. Non, il l'offre à Coville. Superbe état d'esprit de Makalou qui avait fait un bon boulot. Bel essai d'Arthur Coville. Les Lyonnais dans tout ça, vous allez me dire. Mais ils retrouvent de la superbe à la 50e minute de jeu. On les avait vus très conquérants la semaine précédente, notamment avec une défense exceptionnelle. C'est Dylan Cretin, lui aussi l'international. Tout le monde se montre dans cette journée. Il faut marquer des points pour les joueurs internationaux. Lyon va continuer son effort. Paris mène toujours 23 à 11 et on a ce petit coup de pied par-dessus qui va être marqué par Charcosset, un peu chanceux mais opportuniste. Les Lyonnais, ça ne suffira pas. Bonus défensif pour les Lyonnais, victoire des Parisiens. C'est bien effectivement la troisième d'affilée pour Gonzalo Quesada. Racing 92, Montpellier Hérault Rugby, sous les yeux des champions du monde sud-africains, ce sont les Montpelliérains qui vont prendre les rênes de ce match.
Avantage en cours. Cobus Reinhardt, la feinte de passe. Hein, il a peut-être vu l'Esgour, et non, c'est en même temps. Cobus Reinhardt qui va être l'homme de ce match, de la situation. Il fait passer devant dans cette rencontre un cinglant 10-0 aux joueurs de Montpellier. Mais la réaction ne tarde pas avec les Franciliens. Et vous allez voir cette géniale inspiration. Patte gauche, claque, elle est passée. Impeccable, c'est sorti très rapidement. Et on marque cet essai pour les Franciliens. Essai de Spring. Enchaîné rapidement pour reprendre le score. C'est Montpellier qui mène 13 à 7. C'est ce que vont faire les joueurs franciliens. Cette superbe sautée exécutée. On trouve Roanimoff en bout de ligne qui va permettre aux Franciliens de revenir un petit peu dans cette rencontre, mais sans compter sur ce diable de Cobus Reinhardt. Regardez-le, il est parti. Les cannes incroyables, on n'arrive pas à le rattraper. Doublé du demi-de-mêlée sud-africain. Ouais, c'est la première victoire à l'extérieur de Montpellier depuis le mois de mars. Match référence pour les Montpelliérains. Défaite du Racing 92, il faudra redistribuer la donne. Biarritz Olympique, Pays Basque, Brive. Un match certainement très important pour le maintien. Ces deux équipes le savent. C'est Saïli qui va ouvrir le score au niveau des essais pour les Biarro. Une situation exploitée très rapidement. Les Biarro vont se déchaîner. On va attendre l'heure de jeu justement pour voir du jeu. Et cet essai de Kubeli, très intéressant. Il avait marqué la journée précédente. Et le voilà de nouveau en train de travailler son compteur essai. Un très bel essai de nouveau de Saïli, intenable dans cet après-midi ensoleillé sur le Pays Basque. Les brivistes n'y arrivent pas, ils sont pris, et surtout cette combinaison bien travaillée, certainement vue à la vidéo par le staff. Essai de Saïli, le doublé, encore une arrivée avec beaucoup de puissance pour créer un point de fixation. Et le relais de Dyer qui va marquer cet essai pour les Biarro, complètement déchaîné. Les brivistes sont en train de craquer. Et on va avoir un nouvel essai de Speig qui va débouler le long de son aile. Là, c'est impeccable pour les photos, pour la vitesse, pour tout. Et pour le Biarritz Olympique Pays Basque, c'est une victoire bonifiée avec le plongeon qui va avec. Très bon pour le compteur des Biarro. Pour Brive, il faut vite arrêter l'hémorragie. La Rochelle-Toulon dans un Marcel de Flandre incandescent à guichet fermé. Toulon va très mal et ça commence pas bien pour les Toulonnais. 8ème minute de jeu, ce ballon qui est volé en touche. La défense n'est pas placée, donc la redistribution est compliquée. Il y a ce ballon qui est arraché par le joueur toulonnais. Coup du sort, mais en tout cas on suit bien du côté de Yaya West pour marquer ce premier essai. L'information avait été donnée par monsieur l'arbitre. Ballon arraché, il n'y a pas d'en avant. 10 à 3 pour La Rochelle qui va continuer son effort en Les Toulonnais attendent un départ au ras et finalement c'est Yaya West qui va attaquer la ligne. On est parti sur les extérieurs, ça va très mal pour Toulon dans ce début de match. 20 à 6 dans la seconde période, on se retrouve un peu plus tard et Toulon ne trouve toujours pas de solution, bien que les Toulonnais essayent de tout faire pour marquer. C'est la coqueluche de Flandre qui va marquer Uni Antonio, et les Rochelais continuent leur bon travail de sape avec le puissant Skelton qui va marquer le deuxième essai pour les avants à ce moment de la partie, qui porte le score bonifié à 32 à 6 et le calice jusqu'à la ligne pour les Toulonnais. Cette passe magistrale au pied pour Jules Favre qui marque cet essai, victoire bonifiée pour La Rochelle. De Flandre explose, ça va très très mal pour le Rugby Club Toulonnais, il va falloir vite réagir. Et pour finir, ASM Clermont-Auvergne, section paloise dans cette journée 8 de top 14. Les Clermontois sont-ils réveillés? Les volcans vont-ils se déchaîner? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a une équipe qui sème le doute dans ce début de match. Ce sont les Palois, et c'est pas surprenant, les Palois bien organisés depuis un certain temps avec cet essai de Clovis Lebail, toujours avec le bouillonnant Vatouboua, initiateur de cet essai palois. La réaction ne va pas tarder avec les Clermontois. Très bel essai d'Arthur Ituria, libéré en position d'ailier. Ouais, ils se sont réveillés, les Clermontois, en net progrès. La bête blessée se libère. Les combinaisons s'enchaînent. Damien Penaud qui prend l'intervalle magnifique avec la feinte de passe. Et qui va rafuter, passe dans la chute pour Raka. Qui va libérer tout le stade et surtout donner de la largeur, de l'amplitude au score. Damien Penaud, décidément intenable.
qui redouble derrière. Regardez, c'est magnifique. Le Rafu dépose le dernier défenseur et Damien Penaud va marquer cet essai. Oui, les Clermontois se sont réveillés. Ils vont offrir l'essai à Lévi Kiraka pour un triplé. Non, ça sera un doublé pour Aka et cet essai de Damien Penaud. Superbe esprit, on l'avait vu également avec Makalou pour Coville dans la rencontre entre le Stade français et Lyon. Essai de Vatouboua à la fin pour l'addition un peu moins salée, méritée pour Vatouboua. Mais c'est Toulouse qui est leader de ce championnat. Clermont s'est réveillé et Perpignan ferme la marche.